Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel hebdo tout simple, tout bête, fait du bien. Donc voilà, on va partir. Ben, on est parti. Pour l'instant, je vais enlever les cheveux. Bon, j'en ai pas besoin. Donc voilà, je suis en la compagnie de King Kong Simulator, qui est sur ma gauche, ma droite, mon autre gauche. Je sais pas si vous, ce sera sur votre droite, mais moi, c'est sur ma droite. Peut-être que vous, ça sera sur votre gauche, ça dépend, parce que des fois c'est un peu... Ça sera sur la droite. Pourquoi ? Non, mais des fois c'est retourné en fait. Je serai sur la droite quand même. Regarde, on est en face. Si tu regardes... Oui, mais t'as un guignol. Donc là, on est à Chypre. À Chypre. Ben, c'est pas Chypre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est bizarre qu'il marque que dalle. Est-ce que je vais toucher ou pas? Non, ça va. Aïe! C'est qui le connard qui m'a... Ah non, c'est moi qui me rappelle. 55 heures? Non, mais vous abusez là, les gars. Mais t'es allé où là? Ouais, alors d'un coup il y a le bateau, le temps du bateau. Non mais il nous reste 55 heures là à faire. Attendez, là on a un souci. On a un petit souci. Faut qu'on voie la carte là. Fais voir la carte en grand. Ah ok, j'ai compris pourquoi. Quoi? Parce qu'en gros, on devait repartir directement, on n'avait même pas besoin d'aller ailleurs. J'ai fait une connerie. La plus grosse connerie. Ouais, tu peux parler, toi. Grosse connerie. Tant pis, pas de dégâts. Ouais, mais c'est la roue qui ramasse les dégâts. Aïe! Ouais, c'est bien ce que je dis en fait. On va pas gagner grand chose. Ça va être de big fail. Ça, c'est à cause de toi, ça. Comment c'est à cause de moi? C'est à cause de toi, ça. Hein, le nombre de trucs que t'as ramassé. J'ai ramassé que 4%. Ouais, ouais. Que 4%. Que comparé 4%, à toi. Ouais. Attends, comparé à toi, moi j'ai fait aucun dégât sur la remorque. Que t'en sais? Quoi? On a pas regardé avant. Non, mais je sais. Parce que. Ouais, non, sûr. Aucun dégât. Parfois ça fait des dégâts quand tu... Oui, non, même mais si non, tu touches pas la remorque, ça fait des dégâts. Non. Oh, ah oui, oh. Non. Aucun dégât sur la remorque. Il y a plus 4% sur le 5, camion. 5, 5. N'oublie pas celui que t'as fait avant peut-être, de prendre la remorque. Hein, ouais. 5%. Toi, t'as combien s'il te plaît? 11%. Et bah, ça fait 6 par rapport à toi. Ouais, bah ça fait un dégât de pourcent. Un dégât de pourcent? Ouais, un dégât de pourcent. C'est à ma manière. Et en plus, celle de la remorque. Bravo! Tu penses que t'en as fait aussi dans la remorque? Ouais. Non, j'en ai pas fait. Allez, roucoule! Bon, voilà. Comme vous voyez, là, on est un peu dans la merde. Vous allez peut-être m'excuser un peu. Là c'est vrai que c'est pas top, j'aurais dû regarder avant de partir.
ce qu'il fallait bien. Bravo, continue encore. Mais c'est la même bagnole là. Mais je m'en fous. C'est des putains de radins. Vas-y, continue encore. Comment ça? Allez, on va forcer un peu. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est comme ça, c'est pour ça que tu perds des. Enfin, tu ramasses des dégâts. Hein. Bah, excuse-moi, j'ai dû faire un demi-tour sur la route. Tu serais même pas arrivé. Il reste un bout de ma remorque sur le bitume. Putain, c'est pas conduire. Mais j'ai pas encore conduit. Alors, bah oui, voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai fait, je me suis trompé de route. Tu me serais pas trompé de route, j'y serais déjà. Regarde, c'est comme ça que tu vois, tu passes là. J'ai pas eu de soucis plus que ça. Là-bas. Donc voilà, c'est vrai que ça me fait un peu chier tout ça là. Les dégâts et tout. Ouais, ouais. Bon, vous avez rien vu, vous avez pas vu le pourcentage. Hein? Fermez les yeux sinon. Ah merde, c'est trop tard. Alors efface, bah non. Ils ont déjà vu les dégâts. Oui, non, mais là, c'est donc c'est trop tard pour dire de fermer les yeux. Mais bon. Donc là, on va à Athènes, en Italie. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça Athènes? Tu sais, toi? Athènes. Pourquoi Athènes s'appelle Athènes? Tu sais pas pourquoi? Ah ouais, mais ça va être chaud. La déesse, voilà. La déesse. La déesse, il y en a eu plusieurs des déesses. Hein. Putain, encore de nuit, il fait chier, il fait chier tout ça. Bordel. Arrête de péter un câble. Je vais pas péter un câble comme la dernière fois. Donc voilà, je vais vous le dire. Même s'il a dit à peu près la vérité, c'est par rapport à la déesse de la guerre, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Athéna, qui a donné maintenant une marque de sous-vêtements pour hommes. Alors là, expliquez-moi tout ça. Je ne sais pas. Bah oui, Athéna, tu connais pas les. Mais non, mais non. Qui a donné son nom, on va dire. Oui, oui, ouais. C'est mieux. Athéna, tu connais pas Athéna? Non, franchement, non. Les sous-vêtements Athéna, tu connais pas? Les caleçons? T'es dans des magasins ou quoi? Ah, mais j'avais entendu parler seulement. C'est donc, comme. Je sais pas. Palladium. Exemple, Palladium. Avant, on connaissait pas. Mais non, mais non. Ça, c'est connu quand même. Mais non, mais Athéna, avant, il y a presque personne qui connaissait. Maintenant, il y a tout le monde qui connaît. Il y a même des collants Athéna pour les femmes, par exemple. Ça existe, mais pour médical. Pas pour des raisons. Tu peux pas mettre les feux? Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu. Ah, on voit bien. Ceux qui sont bien les feux. Ouais, mais il y a les reflets sur. Oui, mais bon, ça c'est grâce à, c'est à cause de la lumière. Mais oui, la lumière, c'est pas très grave. Mais je pense que je vais faire que la moitié du trajet. En gros, on va faire qu'une trentaine de minutes. Voilà. Parce que là, c'est... le pire, c'est que je l'ai déjà fait exactement le même trajet la dernière fois. Il n'y a personne, ils dorment tous en Grèce à ce temps-là. C'est pour ça qu'ils sont en crise. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit j'aime. Un petit j'aime ou abonnez-vous. J'ai l'air radicalement. Venez sur ma chaîne aussi. Bon, ça, tu peux laisser tomber. Non. Donc voilà. Donc vous abonnez si vraiment vous voulez continuer à voir des vidéos un peu dans ce style-là, qui sont un peu du fun, on va dire, même si on rigole pas forcément. C'est mieux. Toujours. Pourquoi c'est mieux en musique? Bah, j'ai vu des vidéos de Galax et Chichi de Retruc. C'est bien multi, ça... mais bon, maintenant, c'est... au début, c'était bien. Ça m'intéresse. Non, franchement. Ouais, parce que tu vois, ceux qui ont maintenant, c'est pas mal. J'en ai fait aussi. Ouais. Tu veux pas plus. Mais ce qu'ils ont fait, c'est pas mal aussi. Pauvre trottoir. Il
il a vu mon camion lui passer sur la gueule. Bon, il n'avait rien vu non plus, c'est pas grave. On passe à la suite. Vous avez un bon concept. De quoi? Qui? Galax et Chichi de Retroy. Pourquoi? Bah parce que ils ont une team juste pour le fun, c'est pas pour gagner de l'argent ou je sais pas. De quoi? Ils ont une team juste pour le fun, pour faire des convois. Bah si tu veux, on pourra en faire un quand tu enlèves. Ouais, bah c'est ça qui est pas mal. Ordinateur. Mon ordinateur, j'en ai déjà un mais qui est pourri. Donc voilà. Après moi c'est vrai que voilà, je cherche pas non plus à avoir un complexe non plus, mais bon moi il tourne. Et puis c'est vrai que ça fait un peu de cheval. Mais vu que j'ai pas encore la fibre, je peux pas vraiment bien aller dessus, j'ai pas non plus un bon PC donc ça va pas non plus. Donc mais n'empêche que Euro Truck 2 en multi il bug beaucoup moins que le normal. C'est vrai? Et en gros ce qui bug c'est que par rapport à internet ça bug pas par rapport au monde. Je tourne mieux, j'ai plus d'images par seconde que quand je tourne comme ça. Bon, on va dire que. Tu vas prendre du mute toi. Non, c'est juste parce que j'aime pas ce volant déjà. Je préfère un vrai bon volant. Bah oui, vois, ça c'est clair. À 900 degrés et tout, tu vois. Bien plus, on va. En fait, là on fait un nouveau concept en fait. Encore mieux que ce que j'avais fait la première fois. En gros, on fait la traversée de l'Europe en pleine nuit. Parce que là, en gros, tout à l'heure, il était 18h quand on est parti de Chypre. Là, il est 2h du matin, on va arriver en Grèce, il sera à 6h, à peu près. Donc, ouais, on va faire, je pense une bonne traversée. En gros, on va bien rouler de nuit, en fait, tout le temps, tout le long. Donc, c'est un peu ballot, mais bon, on va faire avec. C'est vrai que rouler de nuit, c'est un peu tout le long de nuit. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, avec, je sais plus combien j'en ai, je crois que j'avais 40% la première fois de dégâts. J'espère qu'on fera pas 40%. Non, c'est bon. Bien, j'avais plus, je crois que j'avais 60% sur mon Camtar, mais j'avais 40% sur l'arme. Et c'est pour ça aussi que j'ai rien gagné. Ouais. Mais en plus j'étais en retard. Ouais, je pense que là ça, on va être en retard. Mais en gros le retard c'est pas le plus grave on va dire. C'est les dégâts c'est bon. Ça c'était bien ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression quand même que ça monte vite. Quand même 3h. C'est pas qu'il serait si tôt. Donc voilà. Donc et puis aussi toi t'as un truc que tu fais pas par rapport à moi, c'est que moi je commente et toi tu commentes pas. Ouais, ça je sais. Ça joue beaucoup. Sur le fait de la conduite, sur beaucoup de choses. Le fait qu'aussi de temps en temps je regarde un peu la caméra pour faire un petit face à face, on va dire, putain je peux plus voir. Donc voilà, après il y a des trucs vraiment pas mal qui ressortent plutôt bien. Après moi voilà je cherche vraiment à faire un truc bien alors que toi limite tu veux faire un truc bien aussi mais pas pareil bien ta façon de dire ouais. Mais toi tu veux juste bien conduire, moi je m'en fous de bien conduire, tout ce que je veux. C'est ramassé. Bon. Vous avez fermé les yeux j'espère parce que là c'était et là fermez encore les yeux. Bon, vous avez rien vu, j'ai rien vu, tout le monde a rien vu. On est bien. On est bien vu. Je pense que quoi, j'en ai eu qu'une d'amende. Ah non, deux. J'ai eu deux amendes. Non, si. J'en ai eu une quand en première. Une quand j'ai fait le demi-tour. Ouais, et une quand t'as. Et une là. Non, et une avant. Avant. Comment avant? T'as fait deux amendes sur la même voiture. Oublié celle-là? Non, ça c'est toi ça. Non. C'est toi ça. Non, c'est toi. C'est toi ça. On verra ça après. Mais là, je te jure que c'est toi. Je te jure que c'est toi.
Je te jure, voilà que c'est toi. Petit cochon. Petit cochon. Bah, toi, t'es pas content, je pense. Toi, tu me coupes la route, je t'encule. Bâtard! Bâtard, connard! La priorité, il est où? La priorité, il est où? Merde, j'ai fait start. T'es con! Et bim! Un petit la bim. Priorité, un elle petit est où? La un priorité, elle est où? Tain, dommage. La priorité, elle est où, bâtard? Elle est où la priorité là? Hein? Elle est où? Elle est où? Elle est où la priorité? Bon, le klaxon est pourri sur ce deux. Parce qu'il y a une option. En fait, t'aimes bien de prendre les trottoirs, hein? Ouais. Hein? Tu peux parler. Hein? T'en as bouffé un ou deux aussi? J'en ai bouffé. Ouais, au pire deux. Mais toi, c'est pas la troisième fois. Mais moi, je m'en fous. Et moi, je prends comme il faut pour bien prendre de la trajectoire comme il faut. Après, les routes sont plus ou moins larges aussi. Mais après, c'est vrai que cette map, en fait, a des routes assez difficiles. Bah, c'est vrai, toi, t'avais des routes simples. Et encore. Là, regarde-moi ça, ce virage en épingle, là, quasiment. Et après, j'en ai encore un autre. Donc, dans 10 minutes, à peu près, 10-15 minutes, ouais, on va faire une coupure. On va faire une coupure pour le prochain épisode. Où ce petit chimpanzé, bravo, conduira. Tu vois, là, c'est pas du facile. Hein. En même temps, et là, j'ai 600 chevaux. De quoi mon camion? Il est pourri. Enfin, il est bien et il est pourri en même temps. Un petit 14 tonnes derrière. C'est pas beaucoup, hein, 14 tonnes. C'est du petit. C'est pas comme les 18 ou les 22. Bah, les 22, ils passent. Bon, tu rates. Ils passent. Là, ils passent pas, par contre. Mais voilà, déjà, c'est pas mal pour un camion, hein, 600 chevaux. Ouais. C'est plus puissant que le 630. Mien. Plus puissant que le mien, qui a à peine 540. C'est parce que tu prends des camions de merde aussi. Non. C'est quoi ton camion? C'est un Volvo. Mais il peut prendre 630 pour 750, je veux dire. Ouais, non, mais j'ai pas mis le moteur qui. Puis en plus, il te fait une calandre chromée. Mais là, la calandre chromée, je l'ai. Ouais, c'est pas possible. Ah, aussi. Si, c'est possible. Il est sur les 500. Non, 2 ou 3. En 2 ou 3, il y a les 500, il y a le 600 et il y a le 750. Il y a 540. Et le 540, je l'ai. Mais après, moi, j'ai pas triché sur la partie. Mais moi, non. J'ai vraiment pas triché sur la partie. Je suis en train de galérer en plus. Mais ça va. Je m'en sors pas mal. Moi, j'ai une autre map sur laquelle j'ai pas triché. Que je vais vous présenter plus tard. Quand j'aurai fini cette odyssée. Parce que franchement ça pourrait faire des jolies petites vidéos assez sympathiques. En gros, on ferait des vidéos de 15-20 minutes, très très sympathiques. En gros, un petit convoi assez long, et en fait les paysages, les décors sont il y a des textures quand même qui sont un ch'touille pas jolies, mais on va dire que ça reste raisonnable, c'est différent. Je sais pas si ça ressemble vraiment au pays où c'est censé venir, hein. Mais putain, mais tu vas freiner toi à côté, bordel, je voudrais te doubler. Bon, excusez-moi pour tu la ramasses. Bon, là je conduis vraiment comme une personne. Je lui coupe la route ou je lui coupe pas la route? Pourquoi? Mais arrête de zigzaguer, wesh. Bah, excuse-moi, ça se voit un pourri là. C'est toi qui. En plus, surtout, c'est ton volant. Hein, mais je l'aime pas. Et t'es pas habitué? Je l'aime pas pour ça, en fait. Pour ce jeu-là, je l'aime pas. Moi encore, j'ai essayé mon volant, mais faut que je le règle. Celui que t'as avant, il doit être peut-être mieux. Ouais. Je sais pas si. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien ça. Après, quand j'aurai la fibre, on fera peut-être un peu plus de con. D'un jeu, en tout cas. Peut-être un peu plus de convois en multijoueur sur TS2. J'essaierai peut-être de faire quelques lives aussi
peut-être pas en multijoueur, mais sur certains jeux, même si je pense pas avoir trop de vue au début, voilà. Ça peut toujours rester sympathique. Et ça fait une occupation. Donc voilà. C'est vrai que surtout ne faites pas ce que je vais faire. Quand vous êtes au volant, ça c'est vraiment la totale interdiction. Quand vous êtes au volant, franchement, si vous faites ça, vous êtes mort, vous êtes grillé, vous êtes out, vous êtes, vous avez plus de permis. Quoi. Avant, ils sont morts. Seulement. De quoi? Ils ont compris. Ils ont fait ça. Et mort. Bah t'es mort, pas vraiment, vous n'étiez pas obligé de mourir, mais en gros, si vous tombez sur un contrôle de flic, vous êtes foutu. Bah si, contrôle, ça fait alcoolémie. Hein. Non, mais là. Non, pas là-dedans, j'en ai fou. Mais je parle en réalité. Ouais, ça, même si je pense que les trois quarts des gens qui regardent cette vidéo sont des gosses. Des jeunes qui n'ont pas le permis, quoi, je veux dire. Pas forcément. J'ai dit les trois quarts. Il y en a quelques-uns qui regardent, qui ont le permis. Donc je vous conseille pas de faire ce que je vais faire. Ouais. Elle est où la bouteille? Je crois que c'est pas grave. Donc voilà. Oh putain, il a pris un poc. Donc ceci est un bon chéri. C'est très bon. Il m'a un quinté au boulot. Qui est juste devant moi là, casse la tête. Je peux même pas jouer en multi. On va en direction de Tripoli. On va s'arrêter à la prochaine station service. Je pense. Je sais pas trop. Attendez. Voilà. Je crois qu'on sait qu'ils attendent. De quoi? Bien rien, juste du noir et un petit bout de la pince à linge. C'est tout ce qu'il y a. Mais ça se verra. Bon, je sais que c'est pas, ça fait pas très réaliste parce que rouler à 90 dans un virage avec un camion, suffit. D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, American Truck devrait sortir au mois de juin. Et c'est vrai que là, ça va être du lourd, on n'aura pas ces vieux Peterbilt modés là, mais des vrais Peterbilt de style SCS Software. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, s'ils font aussi bien leur Peterbilt et leur Kenworth, bah s'ils mettent des Peterbilt et des Kenworth, bien sûr, qu'ils ont fait. Oh merde, il y a un piège. Bah oui, je l'avais pas vu avant. T'as pas remarqué sur le GPS? Non, elle était trop petite. Je pensais que c'était un. Donc, s'ils font aussi bien leur Peterbilt que leur Kenworth que le Volvo FHS ou le DAF Euro 6, DAF XF Euro 6, franchement, et leur map aussi, parce que franchement, pas mal, tu vois. American Truck, je pense. Non, mais arrête, c'est... bordel! Hein? C'est... Taper dans la caméra. C'est moi qui tape dans la caméra. Bah oui, t'es trompé, il tourne. Hein. Ça, voilà. C'est pas moi, je vais pas toucher. Bah moi non plus, hein, j'ai les pieds sur les pédales. Hein. Ouais, non, j'en ai deux. Non, une pédale. Non, ça, non. Allez, appuie. 61 euros! Putain, bande de crevards! Qu'est-ce que t'en sais? Donc, voilà. Donc, on va continuer cette petite vidéo tranquille. Calme. Qu'est-ce que. Je vais mettre en pause 2 secondes. Pour un petit truc. Donc, on va aller voir la map.
Ouais, je vous dis la marque. Par contre, on a à peine quitté Athènes. Bah on va s'arrêter à la prochaine station. Au péage. Prochain péage. Parce qu'on est déjà au péage. Tu vois, regarde, tout à l'heure on était à 13, maintenant on est redescendu au 4. Putain, il faudrait que je bouge tout dans la lave. Mais en fait, il faudrait juste que je change de processeur. C'est... Voilà, franchement n'hésitez pas du tout même à mettre un petit j'aime aussi sur ma page Facebook, Twitter, bon moi j'ai pas le temps d'attendre, je pense que je vais couper sur la route. Ça t'a pas le temps d'attendre. Ouais, petit cochon. C'est les radis qui remontent, regarde-moi ce bouchon là. Bon je sais, ne faites pas ça chez vous. C'est pas réglementaire. J'ai envie de le tuer. Bah, t'aurais pu faire aussi, j'en suis sûr. Et tu l'aurais fait aussi. Je suis sûr que tu l'aurais fait. J'en suis sûr que tu l'aurais fait. C'est à voir. Mais ça, pourtant, je vais pas vite. Hein. Je fais 40 km. Hein. Donc voilà, là ça fait un petit blanc, là. C'est pas top. T'es à fond ? Bah j'ai plus à fond, mais bon, j'étais en côte et puis en plus il faut qu'il réaccélère après. Bon, je fais 3/4 sur la place. C'est reparti. Là je suis 40, putain, mais accélère, bordel. Appuie sur le champignon. Donc voilà, on va aller jusqu'au prochain pire. Ça va être bien, ça va être fou, ça va être la joie. Ça va être toi. Ouais. C'est quoi c'est. Ah on va aller sur un pont. Non, tu vas être loin, mais non, c'est pas un pont. C'est pas un pont. Ah non oh mais. Là, là. Franchement il est pas mal ce prostitué. Il me fait un peu penser à celui que je t'ai montré. Ben, c'était pas montré, ben oui et non on va dire. Celui que t'as vu sur Steam. D'ailleurs vous pouvez aller le voir aussi d'ailleurs. Il me semble. Sur Steam Rien. Sur Steam, vous pouvez aller voir d'ailleurs mais. En fait je sais pas d'où là. Des photos que j'ai mis sur mon cloud. Donc suffit de chercher MM Simulator sur Steam. King Kong Simulator. Non, toi tu y es pas toi. Sur Steam j'ai dit. T'as pas mis King Kong Simulator comme pseudo. Donc vous mettez MM Simulator sur Steam dans les recherches. De profil et puis après vous pouvez aller voir dans capture d'écran normalement vous pouvez aller voir ces photos. Les photos que j'ai faites de la future map que je vais vous présenter qui est vachement bien d'ailleurs on va pas tarder à s'arrêter regardez on arrive au péage au prochain péage qui est juste devant j'arrive à fond de balle dessus en plus. À fond de balle ouais à fond de balle c'est pas à fond de la caisse ça te trouve le balle ça n'est pas la sortie. Ah bon ? Elle était bien ? Non. C'est pas bien ? Elle était à chier. À chier ? Chier quoi ? Chier de la merde ? Chier de la boue ? Chier de la merde. Chier de la bite ? En fait, c'est où qu'on s'arrête là-dessus ? C'est où qu'on s'arrête sur... Ah, c'est sur le côté. Ouais, Jeff. Pile poil, hein. Oh, pile poil, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça sera tel. Allez, saloperie. Oh là là.
Putain, oh, 122, putain, bande de saloperies. Donc on va s'arrêter. Salut les amis, donc c'est le... ça a coupé parce qu'il n'y avait plus de place sur ma carte SD, excusez-moi. C'est que ça m'arrive des fois quand on a trop de... on tourne plusieurs vidéos en une fois. Ça nous arrive. Veuillez l'excuser. Oui, t'as pas besoin de le dire non plus. Donc voilà, on va... Donc on va continuer. Là donc j'espère que les musiques vous ont plu, le gameplay vous a plu, parce que là c'est vrai qu'on, moi en tout cas je me donne à fond, même si ça fait beaucoup de dégâts, mais je me donne un maximum, toi tu peux parler aussi. 4% de dégâts, ça peut comparer à 7%. Ben voilà. 7%. Non, même plus. Alors voilà. Donc voilà, il y en a eu qui m'ont foncé dessus, alors c'est bon, merci. Ouais, mais t'as eu quand même 7 dégâts. 7 dégâts ? Ouais, c'est ça. On n'a pas vu ce que t'avais fait toi. Ouais. Sur la remorque, etc. Hein. Quoi sur la remorque ? Il y a eu quoi sur la remorque ? Ouais, vas-y, dis. Ouais, on n'a pas vu ce qu'il y avait sur la remorque. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on voulait juste vous dire un petit merci et un petit à la prochaine sur la suite de l'Odyssée. En direction de Calais en France, bien sûr, parce que Calais c'est pas ailleurs, hein, c'est en France. Donc on continue. A plus, ciao, à la semaine prochaine, ciao. Peace. Ciao, ciao. Ciao, ciao.